La 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 la. Lundi 23 mai, c'est Tonton Burns, les tontons de toute une génération, le tonton chrétien, le tonton gospel, le tonton mignon, le tonton matin, devant vos petits écrans pour vous présenter ces buzz matin. C'est toujours pour moi un honneur, mais aussi un réel plaisir parce que je passe une heure devant vos petits écrans, une heure on partage de tout sauf rien, une heure on fait le débat, une heure on écoute la musique, je passe vraiment des très 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 bon moment avec vous. Voilà, et je ne vais pas commencer ce buzz matin comme ça sans souhaiter un heureux joyeux anniversaire à la Queen Minaj, autrement dit Jemima Mukendi. Jemima Mukendi, un heureux joyeux anniversaire à toi, que le bon Dieu te protège, qu'il te ramène de gloire en gloire. Nous on t'aime bien, mais Jésus t'aime plus que nous, alors profite bien de cette journée, sois abondamment béni, donc bénédiction et les cas et les kékiné de gloire en gloire. Et je fais un big up à ma petite que j'aime bien, Melchi Kembo. Melchi Kembo, voilà, un big up à toi ma chérie. Voilà, je commence ce buzz matin avec le titre de l'Institut, le groupe l'Institut featuring Section d'Assaut, pour faire un big up à Nimi Luata. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau avec Tonton Bams, les tontons de toute une génération. Aujourd'hui, il y a une amie qui me demande, mais là tu fais cet été et tout, là tu vois week-end, maman. Week-end, n'a pas n'a pas raté, semaine n'a pas raté. Naza tonton frère, donc faut tika naza la rara boy. Nabo autant na combo na yo. Voilà. C'était là le groupe L'Institut en featuring avec Section d'Assaut avec le titre Ville Fantôme. Un jour ou l'autre, le soleil se lèvera sans toi. Alors je me pose la question, pourquoi osa orgue? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à rien. Et voilà, on poursuit ce buzz matin et je souhaite un heureux joyeux anniversaire à Caleb Kembo. Caleb Kembo, tonton Bam, ça te souhaite un heureux joyeux anniversaire. Caleb Kembo, le grand frère de Melchi Kembo. Melchi Kembo, lolo, anniversaire, c'est moi, mais il faut comprendre et on va faire avec ça comme ça. Voilà, on commence ce buzz matin avec celle que j'appelle Jemima Bulumbux. Bulumbux. Je crois que tu as au moins un bien pour le niveau de l'Eloisa Fignolé. Ah, Boulombo, au salon de la journée. Nana. Petit extra avec ce jingle et on va parler avec Jemimon pour InfoRoute. Voilà, de retour sur ce plateau avec Info Route. Et là, je vois directement Jemima Bulumbu. Boni. Qu'est-ce qui se passe? Où c'est la couleur? Il est roulatine un bébé. Oulouli. Na bébé si. Ma bébé singa. En plus, vous dites que nous la route pour après. Il monte au bandeau là, Anna Loulou. Oui, tout au côté la bonjour. Non, il m'envoie roulatine. Il est roulou quand même. Au zoango. Problème de Zaté. Rosoua, continue. Info route. Qu'est-ce qui s'est passé le Wabouketchou? Non, mais qui c'est Wabouketchou? C'est ton grand frère. Mais tu vas te dire, ouais, non. Grand frère, non. Non, on a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec Info route? D'accord. Alors, ce matin, l'équipe de Buzz Matin a braqué le projecteur en ce qui concerne les épaves qu'on trouve actuellement dans différents coins de la ville province de Kinshasa. Comme c'est. Rubrique les dit Info Route, nous vous informons de tout ce qui se passe dans la rue. Et ce matin, je vous laisse voir la plupart de ces épaves qu'on voit actuellement dans nos rues qui constituent à ces jours un danger. Puis on se retrouve tout juste après. Thank you.
ville à moi, ils allaient en charge à ma femme. Tout le monde est en en image les différents épaves de véhicules que l'on retrouve le long des ruelles dans la ville province de Kinshasa qui constituent à ces jours divers dangers. Nathan Globa Koumi, Kave, Katavou, Ngiri Ngiri, problème nini zalana deux communes ou anana bepave nanzela. Alors, na Kave, on peut un peu comprendre pour. Moni rompin qui pointe hein rompin qui pointe tout monde a plus baté ka ba vente ba pièce de recharge mais ba ngiringiri ba bumbu ba bandal c'est un peu et comme le roi habitude moi ya mabé au mon na mutu mutu ke baby au la konuka kozwa soin aucune ko tika mon na barrage tika mon na asundo ya mon na ndela et ba mituko esundo la miwana et comme occasionner ba danger les lo roko matana moto bo na buto zozo nganda ku bo sutuka pouf Moutabimé libino batou bazo kwe ya Nicolas moto ba benzi moutou. Ces véhicules délaissés dans de coins de rue et comme constitué danger pour la population. Mais qu'est-ce qu'il faut pour nous? Un certain bon moment, précaution, moi y'a Longolango et tout. Non seulement que Longola, je pense que l'hôtel de ville a tamis tout quoi en bon état. Quand tu gardes déjà na coin ya Nzela pendant un long moment. Bah grand carwane est allé à Capone au tombeau là et puis qu'aux zones mais à un certain moment on constate un relâchement. Moi j'ai l'impression que ça se passe plus en ville que dans des cités. Ah oui hein bon pas seulement c'est un cas général. La bah cité Tozanango, la bah commune au Tengipe Tozanango. Déjà que bah commune on a trouvé net bandal, c'est plus fréquenté. Kasavubu est plus fréquenté. On voit que tout a insécurité zone matapo. Lorsque tu constates plus de ces véhicules de laisser wana, danger pour zone matin. Bah délinquants, bah bandits, bah zone matin malaba kati wana et. Surtout au temps de la bandal, les anangs talamuki tunnel, mais. Tu as 6 à 7 voitures alors que Fandiwana. Alors que bienvenue on est que constitué ba route secondaire. Ben oui. Les lois embouteillage ville à Kinshasa s'est submergé par embouteillage. Bandela on est au service bisopo. Ndele kangami boleki quand même voilà. Bandela on est qui. Mais mituke kangami au mona. Mutu kombe zo sala te mituke ya obeba mais botondi si on en Nzela en tout cas. L'hôtel de ville avec M. Gentilingo Bilambaka, qui on a beaucoup de respect, il faut vraiment voir et revoir vraiment la situation. Au moins, que Nzela Moura est un tel Nzela Moukiebo, mais la voiture, on a pas on a pas tondi, si on a Nzela Moussou, c'est comment on place la chèque, on a oulala, Moussou, c'est comment place ce qui. On doit être, moi je dis toujours pour faire avancer les choses, on doit être vrai envers nous-mêmes
Et voilà, au moins avec Balfas, c'est comme et comme il y a un hôtel, Mutuyo, Mutinfo route. Est-ce que bien voiture ou comment vous constituez hôtel? C'est un phénomène et comme ton l'habitude est une seconde nature. Et comme il y a une nature, il y a certains qui noient, mais tout cas, oui, beba wana, il constitue vraiment moins cousu ou nabango. Non. En tout cas, il faut revoir vraiment les choses. Bablo quand on est sur l'ongwa, qui n'est pas un des arabes, qui n'est la belle. Et le moitié où tout le monde allait le vraiment en tout cas. Et si on doit retenir quelque chose, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette info d'aujourd'hui, Jima Bolo? Alors si on doit retenir quelque chose, je dirais que ces épaves ont commis vraiment grand danger pour la Bakinoa. Parce que vous remarquerez que non seulement ils ont bloqué Nzela, mais aussi ils ont constitué danger. D'où nous invitons l'hôtel des villes à vraiment s'y mettre. Parce qu'à un moment donné, Babando véhicule wana. Mais relâchement mon côté, d'où nous vous demandons, nous venons frapper comme les quinois, les téléspectateurs nous les ont demandé, nous venons vers vous afin de pallier à cette situation d'insécurité qui est en train de voir le jour. Parce que là est comme une récurrente. Voilà pourquoi nous venons déjà alerter avant que ça prenne de l'ampleur. Voilà, il faut prendre cela en considération vraiment pour éviter le danger qui s'est créé. Fortement, je resterai toujours avec Jemimon Bolumbo et cette fois-ci, ça serait avec Tension du marché, le petit jingle et on se retrouve juste après. Hausse de prix de produits agricoles sur le marché. Pourquoi tu sais qu'il y a attention du marché va banger à déjà. Tension du marché d'arrêt à terre. Bouf, battement du cœur. Non. Yo moi yoga non. Tension. Moutou moussousou. Alors ça la tachycardie n'a pas coupé en bas des mains. Yo tension. Non. La tension peut être bonne, la tension peut être mauvaise. C'est comme si nous prenons la température du marché. Mais ministre, n'est mon lobby bon non, sentir le quoi c'est m'en va bien. Bah, tes spectateurs vont découvrir. Plus ça me sauve à détail. Alors, ce matin, avec Tension du marché, nous allons parler de la hausse de prix des produits agricoles. Les paniers de la ménagère est en feu depuis un moment donné, comme vous le savez. Et ce matin, nous allons mettre le point sur la hausse de prix de produits agricoles au Tobengaka, couramment bah, épices. On voit là, bah, tomates, ambouma, bandemi et beaucoup d'autres. Je vous propose cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. L'inflation et les prix des produits de première nécessité continuent à battre son plein dans différents marchés de Kinshasa, tel est le cas du marché central communément appelé Zando, où l'on observe l'envol de prix des produits agricoles. Exaspérée par cette situation, une vendeuse du marché central lâche ce qui suit. Et pour cause, outre la crise économique qui sévit mondialement et qui modifie chaque jour les prix des biens et services, s'ajoute le délabrement de routes des dessertes agricoles qui occasionne un frein dans l'évacuation des produits agricoles depuis le centre de production vers le centre de consommation. Pour rappel, cela fait pratiquement des mois que le pays est frappé par une crise économique, fragilisant ainsi la vie quotidienne de la population congolaise. Oh.
Alors, vous avez là suivi la situation actuelle au marché central de Kinshasa en ce qui est de produits agricoles. Tu as été un peu flexible aujourd'hui. Ah. Mais qui est plein de place et comment rater. Ça va. Bon ou bien. Félicitations. Enfin, c'est pas aussi pour un bébé, ça va être imité, mais quand même. Parce que je suis nous venons juste te présenter les faits, papa. Donc, bon, maman, ça n'a pas été. Nous venons présenter les faits. Il faut pas rapport à un garçon, nous, ça, là, oui, c'est tout à fait normal. Ah, heureusement, toi, tu es révélé. Un peu sous combien. Je peux avoir quelque chose ici. 500 francs, sans tromper. Ah, Kabila, toi, 50 francs. Un peu sous 500 francs. C'est qu'un raté. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tension du marché, Jemiwa? Alors, ce que nous pouvons retenir ce matin est que les produits agricoles, le prix des produits agricoles ne cesse de varier en ce qui est de trois problèmes majeurs. Premièrement, d'abord, la surabondance des taxes. Vous avez là suivi une vendeuse qui est entrée de se lamenter en ce qui est de taxes. Oh, bah, ben, la Kinshasa, ma desuyabana. Plus il y a des taxes, plus Moutoupe a oublié à combattre sa prix pour à générer les bénéfices nécessaires. Il y a mis balai tout ça dans les cambou au babengi, bobebi anzela. Lorsque les routes sont délabrées, anzela où permet à évacuation ou transportation y a bas produits agricoles depuis le centre de production vers le centre de consommation, ils ont posé problème. Anzela ça y a kobe badou évacuation en marchandises, ils ont que salima nandenge essayer la mité. Troisièmement, nous avions la crise mondiale. Parce qu'on ne va pas seulement, on va pas dire que c'est seulement ici en RDC, alors qu'ils ont partout dans le monde. Nos agriculteurs ont par moments recours à des engrais chimiques pour planter et puis faire la récolte un peu plus rapidement. Et depuis que Mitumeza, commerce les a fragilisés, voilà pourquoi Milo les a un peu stoppé. Pour une personne à la maison, tu te diras, oh, Thomas, tu m'appelles comment tu m'as usine. Les tumours peuvent comment bimana isine non? Les tumours les bimana isine t'es tomate en boumé bimana isine t'es. Ce qui milo qu'on est au matin c'est sur base 1 de taxes, 2 il y a délabrement à Banzela et puis 3 il y a manque il y a bon grand chimique et zo comme les sous. Merci Madame Jimimon, ça a été le week-end. Ah oui hein. T'as bien fêté. Trop bien j'ai dit. Que je rejoins Némi ou bien. Gardez bande. Ok. C'était la tension du marché et info route avec Jemimon Bolumbu Bolumbux. Cette fois-ci, on va souffler avec emploi avec Madame Esther Bompoko. Ce beau taliban de Bazal Lelo. Non, il faut dire un grand merci à Divine Kitoko. Petit jingle pour l'entrée de Madame Esther Bompoko. Emploi. Voilà, de retour sur ce plateau, je suis avec Madame Esther Bompoko Banki. Baki, c'est laquelle moi maître. Bonjour Madame. Bonjour Bébé. Comment vous allez? Je vais très bien, vous. Le week-end, ça a été, j'espère? Ça a été, grâce à Dieu. Et le début de la semaine, ça commence bien? Ça commence déjà très bien. Ça se reflète déjà sur votre visage. Oui. Ndebou, l'élope, nan, merci. N'habitez. Emploi. Basso déjà, babik. Basso déjà, bas téléphone. Oui, n'est-ce pas habité, j'ai bas téléspectateur, mais vu ça. Yo, peut ça, bon, cas, bas détail. Yo, tika, chômage, n'a défaut. Tika, chômage, n'a défaut, n'a Congo BS. Voilà. Peut ça, bon, bas détail. Alors, vous êtes licencié, gradué ou diplômé d'État, même un doctorat. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Regardez et retrouvons-nous juste après. Médecins du Monde France est une ONG internationale de développement faisant partie d'un réseau international qui fournit une assistance médicale aux groupes vulnérables en France et dans le reste du monde.
les recrutent un chargé de monitoring, évaluation, apprentissage et rédévabilité. Vous devez avoir une formation de base en statistique, gestion de projet, économie, informatique ou santé publique. Minimum 2 ans d'expérience avec des responsabilités progressives, idéalement dans une ONG. Avoir un diplôme de master d'ingénieur en informatique, couplé avec une expérience préalable dans les domaines de santé publique. Être patient, être à l'écoute. Langue, français courant, écrit et parlé, obligatoire et swahili. Type de contrat, contrat à durée déterminée, plein temps du droit congolais. Durée 6 mois avec possibilité de renouvellement. Dossier de candidature, CV avec 3 personnes de référence. Lettre de motivation, copie de la carte d'identité, carte ONEM. Envoyez votre candidature en cette adresse. deputy-admico.drc@medecindumonde.net. En précisant dans l'objet, offre numéro 002, chargé de 1000. Date limite de dépôt des dossiers de candidature, le 20 mai 2022 à 14h. Activité durable des systèmes de l'eau et de l'assainissement financé par l'USAID en RDC, mise en œuvre par Mercy Cops, en coordination avec Tetratech International Development, accepte actuellement les candidatures pour les postes de conseiller en amélioration des affaires. Ce poste sera basé au bureau de Mercy Cops à Bukavu, au sud Kivu, et il ou elle rendra compte au responsable de l'amélioration des affaires qui est basé à Goma. Qualification, posséder un baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie ou dans un domaine pertinent, une maîtrise est préférable. Doit posséder au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans les démarrages, le développement et la gestion des petites et moyennes entreprises, élaboration des plans des affaires, la conception et la mise en œuvre des programmes, des renforcements des capacités et de l'amélioration de l'efficacité des entreprises. J'espère que vous avez bien suivi ces emplois et pour plus d'infos, veuillez visiter le site de ces entreprises. Et quant à moi, je vous dis bonne chance et surtout, soyez reconnaissants envers Congo Buzz Télévision. N'hésitez pas à dire merci à Congo Buzz Télévision comme d'habitude, comme l'a dit Madame Esther Mompoko. Voilà, vous avez tout le détail pour cet emploi. Et je dis un grand merci à Madame Esther qui continue toujours à donner du travail comme d'habitude. Merci. Voilà, c'était là emploi avec Madame Esther Bompo. J'espère que vous avez détaillé tout, vous avez détaillé tout. Et ceux qui ont décroché emploi Oyo, Kobo Santé. Madame Esther, mais dire aussi merci à Congo Buzz et Télévision. On va poursuivre ce buzz matin. Ce buzz matin, vous nous suivez partout. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes au Congo central, vous êtes partout dans le monde parce que vous nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube Congo Buzz et TV. Abonnez-vous massivement et partagez le lien, partagez max de partage. Voilà. Et cette fois-ci, ça serait avec Maria Maba, elle n'est pas là, mais on va poursuivre ce buzz matin avec le saviez-vous petit jingle et on se retrouve juste après. L'expression tourner autour du pot. Et le baraming, tourner autour du pot. Ils attaquent et on se retrouve juste après. Tourner autour du pot. Née au 15e siècle, cette expression a un usage populaire, mais elle a plus d'une signification à travers son évolution. Cette expression a d'abord été utilisée pour caractériser le fait qu'une personne emploie des moyens indirects pour obtenir quelque chose auquel il n'a pas droit. Par la suite,
tourner autour du pot, a pris le sens des idées, de recourir à des détours avant d'évoquer le sujet réel d'un propos. On l'emploie le plus souvent dans un contexte où une personne évite d'aborder le vrai sujet d'un débat pendant un certain temps avant de l'aborder réellement. Et les interlocuteurs ne manquent pas d'y rappeler le bavard en lui disant notamment « Arrête de tourner autour du pot », comme pour dire « Va à l'essentiel ». Le saviez-vous que tourner autour du pot ezako baluka na poté ezako zalané c'est donc okende tout droit na but, c'est pas que tu es en train ce que je voulais dire, je suis en train de rigoler directement. C'est pas parce que tu es en train, tu voulais draguer Maria aux oeufs, c'était Mario, moni, mobali, azala, yo linga, mi bala, ndengenini, te. Osa tout droit, ko ebisi, Maria, moni, nza boue, ngaï, na sepe la kanayo. C'est ça, être tout droit, c'est ça, en fait, l'expression, c'est que l'expression pense ou l'expression voulait dire. Et j'ai dit un grand merci à Maria Maba qui nous a donné plus de précision sur cette expression et tout, que peut-être beaucoup aussi bae barate il n'a rolobanim. Voilà, vous avez des détails na Maria Maba. Alors pour entamer du côté de bas, j'aimerais bien si la régie est en coalition avec moi. On va suivre cette chanson et on se retrouve juste après pour le sujet du jour. On se retrouve juste après. Voilà, de retour sur ces plateaux. Je sais que ce titre de Youssoupha featuring Madame Messieurs a fait énormément plaisir à Flash en Pico. Flash Pico, mon ami, big up à toi. Rap de Kin, vraiment. 100K, ça se fête, mon frère. 100K, ça se mérite. 100K, il faut beaucoup de félicitations. 100K, il faut beaucoup d'amour encore. On sait là où Rap de Kin a commencé. Et nous voyons là où Rap de Kin est aujourd'hui. Et l'avenir nous dira là où Rap de Kin sera demain. Vraiment un big up à toute l'équipe de Rap de Kin. Merci pour le partage et surtout un grand félicitation à toute l'équipe pour ces 100K Rap de Kin. Big up à vous. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo Buzz TV et sur tous nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Abonnez-vous massivement pour ne pas manquer Buzz Matin, mais aussi avec d'autres programmes. Voilà, petit extrait pour le débat, pour le sujet du jour, et on se retrouve juste après. Voilà, c'est déjà l'heure de ces débats. Je suis pas seul, je suis avec Madame Esther Bompoko et Jemima Bolumbux. C'est avec eux qu'on aura à débattre, à parler sur un thématique qui est le jeûne et la lecture, le jeûne et la lecture face au numérique. Depuis que le réseau social est lié, bah jeûne, bah te belé, bah tangara li soussouté. Bah soir li soussouté, tangara bango, yako tangate. J'aime bien ce que Youssoupha dit. Si tu voulais cacher la vérité pour un Africain, essaye de l'écrire, tiens on a livré, autant la monter. Mais qu'est-ce qui pose ces problèmes? Est-ce que c'est parce que numérique, et quand je parle de numérique, je vois directement les réseaux sociaux de Facebook et tout, mais qu'est-ce qui cause problème wana que bah jeune batanga les sous-souter? Qu'est-ce qui pose que bah jeune soka outil classe? Donc, autant à Nézara dans la classe, ils aient sous un d'acouté. C'est avec Madame Esther et Jemima Bolumbu, ce qu'on aura à parler sur ces sujets. Quelle est la raison principale, Bolumbu, qui fait que bah, jeune va abandonner lecture? Nabi, toi, tu aimes bien les écritures. Pour toi, problème, moi, les amis, est-ce qu'ils ont problème, il y a numérique? Ou bien c'est autre chose? D'accord. Alors, on doit d'abord là signaler que la lecture, c'est,
le fait de lire, pour une personne qui accro à la lecture, une habitude de se mettre à la lecture. Voilà, tu peux être accro à la lecture pour les bouquins, le livre, voire même la Bible et tout. Mais aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas forcément les numériques qui font en sorte que le jeune puisse avoir un recul en ce qui est de la lecture. Je dirais plutôt, à mon humble avis, que c'est notre système éducatif qui est à la base. Pourquoi ? Je souligne ici que la lecture est atelikamwa, olaliolamu, kimbalamro, pouf, tu t'aimais à lire. Non, c'est une habitude, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Depuis les bas âges, on essaie d'être inculqué. Si à un moment donné, moutantine le dissoute. Je parle de notre système éducatif, pourquoi ? À ces jours, sur 100%, je dirais au moins, à 9%, il y a ma bibliothèque, il y a ma école. Je suis la preuve vivante, j'ai étudié depuis la maternelle, primaire, secondaire, jusqu'à ces jours, l'école où on a fini ça, tous allant à la bibliothèque. Les écoles environnantes, tous allant non plus la bibliothèque. Du coup, quand il y a des bibliothèques, ils allaient pour un TP ou un truc de ce genre. Donc, pour moi, s'accommoder la lecture, c'est, je dirais, un effort moral personnel. Mais effort personnel ou en asco avec cette génération, c'est quoi le problème? Alors, effort personnel à lecture, tout le bâti que lecture pour la mise sur les arts dans la génération, non. Les numériques, ça fait déjà un bon bout de temps que numérique est ça. Au contraire, d'ailleurs, on ne peut pas dire que le numérique. Mais le numérique a pris plus de la voix. Non. On voit numérique, on voit les nouveaux médias. Quand on voit les numériques, on voit les nouveaux médias. Et avec les nouveaux médias, je ne dirais pas que ces numériques aient qu'au longola. Goût à lecture, au contraire, parce qu'aujourd'hui, via PDF, tu peux effectuer une lecture. Avec un PDF. Pour la bateau, bon, ça, bah, TFC, bah, mémoire, bah, soukandeni. Tout ça, ma bibliothèque à Malonga, à la ville province à Kinshasa. J'ai eu affaire à rédiger mon TP, Kosala, Maramwana, Nyoso. N'a pas PDF. Donc, de mon côté, je dirais que le numérique est un an, un an, un an, un an, un an, un an, pour ma jeune, ma boue, un an, un an, un. C'est que tu as recourir à vos parents parce qu'à l'époque c'était que il y a un programme bien établi à la maison. Okay. Donc, dans l'école, 6 heures, vous arrivez à 7 heures, vous sortez par exemple à l'école à 12h30. Okay. Tu arrives à la maison, aux hommes qui est au lit et tout, on a un petit temps à repos, ou soit tu dors, mais quand tu te réveilles, 16 heures, on a obligatoire. Il faut oser kaina yo oser bablo no obanda kutanga, mais c'est quelque chose qui n'est plus au rendez-vous. Alors là, je dirais que et ça moi deux penchants, deux choses différentes. Tantôt je vois la lecture pour le note au natangi na classe, et de l'autre la lecture genre c'est cultivé na moi lit vraiment quoi quelconque, tu vois un peu. Donc awa non lobako côté parents, il y a des ses parents cultivés à la impose, oui, qui, non seulement imposé, non seulement imposé, paix à l'âme de mon père qui par moment nous amenait des bouquins, mais exact qui n'a pas 200 parce que pour un enfant il faut une stratégie ni au même les tcarab écrit voilà. Donc pour mon papa il amenait de livres, des bouquins avec des dessins, mais dans ces bas dessins il y avait des écrits et ça nous permettait de lire. Donc, hormis cela, moi, Gouana. Donc, moi, à un moment donné, autant de notes. Mais pour la lecture, na y a un livre, en tout cas, le système éducatif. Pour la famille, on voit l'éducation de base. Alors que maman, autant que la science, on apprend ça à l'école. Et dans l'école, on a mis ça. On a habité, hein. Soyez dans l'école, on a mis ça dans la bibliothèque. On a habité, hein. Pour moi, en tout cas, on a tangi depuis première année primaire, maternelle, koutou. Si on a décroché le décroché bac, on a mon bibliothèque, une école où on a la tanga, non plus une école environnante. Madame Esther, système éducatif, vous êtes en accord avec ce que j'ai mis en train de dire ou bien vous n'êtes pas d'accord? Je dirais oui, parce que on a une école na tanga qui bibliothèque exacte. Donc, il y a une R, il y a français, il y a un livre en français, il y a un banc. Vous avez trois personnes là-bas, vous livre dans la catégorie du même temps. Ce qui est français, c'est qu'il va récupérer le livre qui continue à avoir à ça. Et si l'école est dans la bibliothèque, bon, bon, dans le lobby qui est numérique, bon,
réseaux sociaux, dans la cour de Babel, mais ce téléphone, il y a les aliments dans ta poche. Aux gens ont besoin de la recherche, il y a quoi dingue, TFC, par exemple, au mieux comme là, comme moi, je suis un orthographe. Au côté Google, au poser problème, on fait son réponse. Mais là, quand on parle de numérique, avec nos jeunes de nos jours, bon, on a quand Facebook, bon, on a TikTok, bon, on a WhatsApp, mais na téléphone ou bien na machine, au cours de la recherche, là, on a surtout dingue, aux gens ont besoin. Donc, on a quoi que la bibliothèque était, mais je suis à la page. Surtout quand on parle de téléphone, moi, au bout de temps, moi, aussi, mes parents sont bien à téléphone. Il y a un autre qui n'a aucun Google autant. Donc, tiens, mes gars, on a pas sa recherche. Il y a quoi? Il y a autant de que, on a son téléphone à fourrer la porte dans Facebook. Twitter. On a ça, là, on a ça, la connaissance. Cause à la peine, on a un compte où on est à ma bête. Ils appellent ma bête, ils appellent que c'est Faco. Ils appellent ma mère aussi. On a un cas là. Mais que et bon ils s'amènent à côté engagé ne crois pas. Donc ils ont volonté. Ils ont volonté, c'est ça que je voulais dire. Comment fait-il un jeune à la facilité en somme à 1 giga à 2500 francs au béton calcul la moi c'est un chiffre. Mais bon moi na animer c'est la même gars que à bout peut-être à son roman livre mon corps et tout pour se cultiver. Est-ce que le monde d'aujourd'hui c'est seulement il faut se cultiver ou bien tu peux aussi gagner ta vie sur les réseaux? Mais tu vas gagner un million sur les réseaux sociaux. Tu vas aussi vendre en ligne. Apposter Azuka, apposter quelques articles. Combien va ça commande? Aosa combien? Aosa belé. Mettons que le bébé n'a pas de bon, on a un méga juste pour Natal à la vidéo. Aosa, et là, vous êtes? Maintenant, quand tu as un monde qui a progressé, peut-être que tu as un branché. Non, c'est ça que je veux dire, c'est que je veux article que je veux dire 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 que vidéo, veux clip que je veux dire que vidéo malsain, ma vidéo que je propreté, dire que je veux dire que je qu'est-ce qui pousse la jeunesse d'aujourd'hui de lire seulement soit quand il y a un devoir, quand il y a un TP. Dès que mon retour, bâton en doit préparer mémoire. Non, mais dès que mon affaire dit pénible, vous n'avez pas de téléphone, ni boue, soit la mon attendre qui méga est en gâté qui a fan dit boue qui est bon. Donc, on entend par exemple le monde dans ma pose. Là, on entend par exemple maîtriser le français ou bien qu'est-ce qui pose ces problèmes là. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, ça c'est question d'habitude. L'habitude est une seconde nature. Mais permets-moi, s'il te plaît, BMS, d'un peu reculer à la question que vous avez posée à maman Esther. Je dirais qu'aujourd'hui, les numériques, on ne va pas dire que Zaka, Facebook, WhatsApp, ils ont même un grand nombre de jeunes. Non. Les numériques, oui, côté, on a Facebook, c'est ici. Et ça, utilisation. Je dirais que ça dépend de l'utilisation. Mais si je reviens à la question, Lomi, pourquoi aujourd'hui un jeune prend 2500 francs par exemple pour acheter un giga et n'est pas acheté un journal? Je dirais que c'est là où intervient la beauté même du nouveau média. Du nouveau média et voire même les numériques. Tu vas certainement t'étonner, mais je m'explique. Les nouveaux médias ou les numériques, ça nous donne le choix. Parce que quand on voit un journal qui se vend aussi à 2500 francs, tu tiens le droit à médias traditionnels. Journal imprimé, ils ont représenté médias traditionnels. Alors que numérique, ils ont représenté nouveaux médias. Avec le média traditionnel, on avait une sorte d'imposition. Quand je vois imposition, je donne un programme quelconque. Tu as dit déjà que l'information, les lois, les qui, tel. Donc, lobby d'un journal, tu as coûté à l'euro, tel. Alors que dans le nouveau média, avec l'avènement du numérique, on nous laisse les choix. Tu peux mettre 1 gigabyte, mais tu as les libres choix. Tu dis aujourd'hui, je vais me cultiver avec les informations sur l'entrepreneuriat, par exemple. Mais est-ce qu'il y a encore de gens, vraiment, qui fait ce que vous êtes en train Pour que l'on puisse confirmer un cas général, il doit y avoir une exception. Donc, je peux t'affirmer qu'il y a une exception. Donc, cette petite partie de gens, c'est cette petite partie de personnes qui constituent cette exception-là. Au monde, à Boyknei, au Somba Journal, a tché 1 gigabyte avec 2500 francs. Et la giga, on a besoin d'informations politiques, d'informations économiques, d'informations à santé et d'abord, héroïa lingui.
Pour le journal, par exemple, au Tangi journal, au commis un moment, par exemple, ambigu. Tu es un peu là, tu es bloqué. Mais avec Internet, à un moment donné, je suis bloqué. Propos fallacieux. Fallacieux. Automatiquement, je tape sur Google, je vois fallacieux, propos fondés sur un mensonge. Tu vois? Donc, on ne doit pas seulement prendre les mauvais côtés au batouna. Utilisation n'a pas bazo amusé pour dire que le numérique a pris d'assaut la manière de lire ou bien la lecture chez les jeunes ici en RDC. Mais est-ce que le numérique aujourd'hui. Okay. Peut-il être présente à un danger pour la jeunesse, pour l'apprentissage de la lecture ou bien de la langue française? Alors, moi je dirais pas du tout. Je dirais pas du tout parce qu'au contraire, on apprend plus. Est-ce que même se dit que moi on a 12 ans l'élo, non, moi on a 12 ans, à 2009, il y a 12 ans l'élo, c'est plus cultivé. Vous voyez bien? Pour la numérique. Ah, est-ce que vous voyez bien? Voilà pourquoi j'ai dit. Ça dépend de l'utilisation. Et cultivant aux Zoloba. Et ça, on n'a bien tout le monde. Il y a un Zoloba. Parce que c'est que numérique, ils ont imposé, bien qu'ils ont l'exception. Il y a un lobby. Ça dépend de l'utilisation. Parce que quand tu utilises ou bien tu es en train de surfer sur le numérique, il y a des coquilles ou des pages au proposer à tout sans pour autant au link. Voilà pourquoi je parle là de l'utilisation. Tu peux être là, on te propose un site pornographique par exemple. Libre choix à toi, la curiosité d'y adhérer ou bien de continuer à faire ce que tu faisais. Voilà pourquoi là je parle tantôt de l'utilisation. Parce que na nyonso, on va dire que, et là on yonso na mokilo, on aura toujours na deka. Kota malam na kota ma beto, que le bateka numérique, bon côté, ni, apporter les bisous. Non, parce qu'à un moment donné, tu peux être là en train de lire, pouf, message à WhatsApp et côté, okay, et bouger un dambou. Ok, voilà. Donc, on va dire mais aussi longtemps sur un roman au téléphone ils ont à côté autant non sans problème papa on doit la souligner que la volonté est qui la volonté est qui nous sommes tous dans la nana connecté na tangi na IP bah message paye barani y a notification sur qui tient les qui sont dans la cabre madame sœur alors bien comme volonté est-ce que volontairement ils ont les sous les lopena que mutaza sur le asa sur le téléphone na il s'est dit que bon je vais peut-être lire un article. Et à Tikali focus dans l'article, on a sent comment on a que message à WhatsApp et qu'on a que dans WhatsApp. Bon, volonté, ça a rien basé dans la nature et à moto. Moto, moto, sur la nature, on a eu ce qu'a zo tanga, à l'aise. Donc, il se sent heureux. Mais moto, moto, sur ça, on a qu'à zo tala ba vidéo pornographique. Là aussi, il est heureux. On a eu la nature. Oui, il y a la nature dans moto. Ce moto est un volontaire ou tang. Quand il y a un bon lobby, il y a un message qui est à Pob. À Oleksandre. Moi je connais. À continuer les tournées. Et numérique, il n'y a jamais de sa morale. Parce que, il y a un aligné les tournées. Il y a quand je suis dans les réseaux sociaux, dans la recherche, c'est par exemple dans la Facebook, causer avec mes amis ou sur WhatsApp. Mais dans le côté, je reste là. À mes limites, 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 à mes contrôler à mes et puis moi na mes à mes code aussi ma téléphone à mes code pour mes limites, à 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 mes ils ont une nature et puis volonté. Quelles sont les conséquences de la non-lecture? Conséquences de la non-lecture, BMS. Aux hommes, ils ne peuvent pas se retenir. Parce que moi, je suis sur le barreau, le bail est facile. Je ne peux pas comprendre, mais je ne comprends pas. Mais si je vais attendre un combo de film ou de série, je vais dire tiens! Donc, il y a des gens qui ont été sur la série du premier épisode jusqu'au dernier. Pour les gens qui ont été tout le monde peut les gens qui ont été en train de se cultiver, ou en train intelligent devant les gens, à se défendre très bien, à cause de la complexité. Mais ceux qui ont été basés sur la futilité, ils ont été en train de se faire parce que ont été en train de se faire.
Moi, pour moi, je pense qu'il faut imposer. Non. Et tant que parent. Alors, tu penses que... Attends, je vais... Imposer. Alors, tu vas me dire que tout ce qu'on a eu à t'imposer quand tu étais jeune, au Banda, comme ça. Oui, on a ça, mais les amis, ils ont dit que c'est un moment qui est imposition, ils ont dit que c'est un moment qui est imposition. Non, je ne pense pas. Maman était un peu. Bah, bon, je ne sais pas, elle, il y a un maman, il y a déjà. Puis toi, tu l'es qui dans la banane, il y a des choses où on t'impose, mais tellement imposé, non, ça, là, on était. Pas pour une impolitesse, mais c'est petit. Oui, on dit que tu t'es soi-même. Moi, tu te souviens, il y a beaucoup de gens qui ont imposé des choses. Yo, oko kende na ngote. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies à faire. Aujourd'hui, bon, loba, par exemple, que numérique déjà, les lobas ont commis un peu trop curieux parce que au moins, moi, la maternelle, la tablette déjà. La tablette, mais tablette, elle n'est pas longtemps. Hey, moi, la maternelle, elle a la tablette, ma jeu, ma nini, et belé, belé. Mais est-ce que tu sais qu'avec ce même numérique-là, ce même numérique aujourd'hui, dans le cas de la tablette, bah, chelio, bah, je cultivateur, mais avec des textes. Au moins, autant au long de la maternelle, bah, dans la première, deuxième, tu vois le texte. Je te dis ça pourquoi j'ai fait l'expérience avec mes nièces. Avec le même vidéo. Oh, bah, n'y a pas de texte, mais il y a des textes agencés pour permettre moi quand même qu'on aura goût à lecture. Et puis, les risques, pour revenir à la question, au Tony Maman Esther, les risques sont multiples. Je dirais un vide culturel. Parce que pour la moto, nous connaissons les événements du passé, dans les années, on est autant à la histoire. Par rapport à la lecture, ce que le professeur a mis, c'est qu'il a raté le tangi. C'est un peu comme ça. Ozana n'a pas idée dans mon tout tellement ébéli, mais comment faire pour baider un ébima? Manque de vocabulaire, tu ne sais pas quel mot placer à la place qu'il faut. Au commun, il y a Bala Moussousou, à la taille des génies, je dirais, à concevoir un projet, mais comment faire pour venir mettre son projet et l'exhiber aux yeux de tous? Au commun, moi, mal barré. Voilà pourquoi manque et la lecture, ils ont des conséquences néfastes pour la moutou. Oyo. Aza vraiment n'a pas ça à se cultiver. Donc pour se cultiver, il faut beaucoup lire. C'est ça même. Mais beaucoup lire, on a aussi kaka lire, kaka tika na numérique. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez monaté que je dis pas que je suis contre le média traditionnel ou les trucs allant dans ces genres, mais face à l'avènement, face à la rapidité du numérique ou bien face à la vitesse de croisière au mot les autres qui est dans mon athée qui va m'arrêter au changer. Nous, on doit prendre ces côtés positifs. Tout le bâtiment tout condamné numérique aujourd'hui, on peut tout faire. Tu peux payer avec les numériques, tu peux communiquer, tu peux faire une transaction avec les numériques, tu peux étudier. Est-ce que tu sais qu'il y a des formations grâce au numérique? Naza Awana Kinshasa, mais j'effectue une formation au Canada par exemple. LG, c'est de quoi je parle, que je salue en passant. Donc, tu es ici à Kin, mais tu fais une formation. Olanda court en Zoom aux autres chatés à côté. Aux Olanda, papa, il y a on a souligné. T'as déjà vu une vidéo, un gars en train de suivre quoi, cours en ligne, mais comme il était fatigué, à ce moment, Péri, quand tu m'as dit, on a la tes lunettes, c'est comme si c'était lui. Il y a la ligne pour moi. Et ça, qui dit ça, parce que ici, il y a un confinement, par exemple. Bah, école, bah, ça, le système que. Bah courir comme on peut s'en aller. Pourquoi Tozaki n'a vraiment difficulté à s'adapter pour ton message en anglais? Ton message en anglais. Les lois, bah, il y a un système LM2. Et bah, là, qu'à un moment donné, on stoppe. À un moment donné, non, on reprend avec un moment donné, on stoppe. Pourquoi? Parce que de le bas âge, ton message en anglais. Alors qu'à l'étranger, à l'Occident, là où, bah, Congolais, aujourd'hui, tout le monde, pour aller étudier à l'étranger, c'est le système qu'il y a. Au coup, tu as un peu de temps à faire. En ligne, travailler en ligne. Professeur, les professeurs ne seront pas là chaque jour. Dans le cas de l'auditoire, pour le temps, il y a la vie.
Il vous dit par exemple à telle heure vous avez cours, bien tout vous a connecté. Botani Kamouké, allez faire des recherches. Voilà pourquoi même j'ai dit la beauté du numérique, parce qu'aujourd'hui c'est Tommy université l'univers. Oh non, ce bon appel c'est en classe, c'est un cas restreint. Tant de recherches, autant à bas recherche, au moins à ma moussou, net y a les lots. J'ai donné un exemple. Mon travail de thème, mon sujet à TFC Zalaki, pratique du journalisme en ligne. Enfin, c'était le cas de Congo Buzz Télévision. Il y a eu des définitions de ces recherches où il fallait seulement l'internet pour na ba bouquer na moins alerté. Pourquoi balobi internet est un nouveau média et mikolo, donc ba livre penda ya kala wana o tenke livre manuscrit bo tan ils alerté. Il fallait qu'on recourir na numérique. Bon avantage. Donc si on doit dire que le numérique est comme un risque, je dirais que ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation. Déjà, il faut savoir que moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre numérique. Mais, dans un des contre bateaux, il y a des gens qui ont collaté. Tu peux t'instruire quand le numérique on a ou est pour Mbappé. Alors faut vraiment choisir ta part, Nous sommes déjà à la fin, Madame Estier. Quelle piste de solution proposerez-vous aux parents ou encadreurs afin que le jeune retrouve le goût de la lecture comme au beau vieux temps? Comme piste de solution, c'est toujours la volonté, hein? Parce que je suis un enseignant dans la bibliothèque. Aller faire des recherches. Je suis un apôtre dans le Bolombo. Je suis un recherche, mais au moins, je suis un TP Moussousou. A participé à la TPT. Bolombo, tu as un peu. Ça me rappelle même quand j'étais étudiant, quand on a mis un GMG, donc tchaka na tcha, copier-coller. Il n'y a pas de que nous avons un tchéité, madame Esther, comme on a mabé, donc na tchaka. Maintenant, on va perdre. Tant qu'il y a une bibliothèque, à se cultiver, à se belé. À vous appeler tant à vous expliquer, on attend un livre, on attend un livre, on non. Parce que on attend la thèse. Où est-ce important pendant que Facebook ou tout là-bas? Divers. Pour ça, oui. Mais lecture, à vous occuper de l'été. Comme piste de solution, ils n'ont pas la volonté d'utiliser les réseaux sociaux avec intelligence. N'a pas de limite. Vous voyez que par exemple, na de 11h à 12h, na ko zoa 1h du temps à lecture. Na ba 13h, na ko ko tanga na sema pa mususu. Au moins si tu lis 1h par jour, ou ko se cultivé. Ki o lek sa ka ta na o nyon so to, so mbi ingiré pour essayer de ko ka na ba vidéo. TikTok. Soubina. Bolumbuks. Quelle piste de solution proposerez-vous aux parents ou encadrer afin de retrouver le goût de la lecture? Isaac Andé, Madame Esther, le bifoza la nabolingoana ou Rome et Mango Soussou World. Alors, Netman a proposé piste de solution, pas seulement chez les parents et encadreurs, comme tu l'as dit, parce que les lots qui ont constaté dans nos maisons que ma parent a mis ce quoi ça, les lata WhatsApp naé. Bah, on recourir on a mis sur bah jeune. Moi, on m'a poli, hein. Ça, ça va, on m'a poli, parce que ça, on tingue pas qui. La tangue n'a pas eu la raté. Et aujourd'hui également, le livre est commis moins rare. Et commis plus caca, livre format PDF. PDF. Du coup, moi, je vais plus qu'au sensibiliser bah jeune, autres amis. N'a pas eu taille lecture. Certes, on a eu oro. Okutana na école, autant na école moko oyo bibliothèque ezala kité, okutana na parent moko o apesio accès té na lecture. Jean-Paul Sartre a dit l'essentiel se passe ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Donc et ko se plaindre té ko tika la té na état o e batiké li wana zo état o batiké li o télé mapé bandes ko ko sana pour toi oyo mesana ki kara non o mi boire à côté ça planning. La planning comme maman Esther l'a dit, une heure au moins, une heure, parce que d'ailleurs aucun temps à tamapé belé, mais ce que je veux tant divertissement au monde qui tu n'as rien fait. Les vidéos comiques, tu peux commencer avec au bandit n'a nous n'a pas se déstresser avec une vidéo comique, même une ou deux vidéos comiques
Après quoi, tu as un temps, au moins une heure du temps, pour lire chaque jour. Maman, repé sa baise, merci. Baise matin, merci. Jeune au landinga, repé sa baise matin, merci. J'espère que c'est à méditer, mais aussi à mettre en pratique. Hein, à mettre en pratique, voilà. J'espère bien qu'on a passé ces une heure ensemble. On l'a invité, j'aime. Nous arrête nous bosser tous les jours. Est-ce qu'on nous a parce que les bulles à nous tous les jours du lundi au vendredi, une heure. C'est pour la Rosana, la mine. Fort. Oui. Fort. Moi, bah, sinon, dispatchez-moi avec cet enfant. Pas qu'à boulanger à mon nom. Distribuez-moi. Distribuez-moi plutôt. Voilà, c'était la buzz matin. J'étais avec Madame Esther Bompoko, mais aussi avec Jemima Bolumbo pour le débat, pour ce sujet de ce matin. On a parlé sur le gène et la lecture face au numérique. J'espère bien avec, bon, ce n'est pas mes invités, mais ce sont des répliquantes quand même. Pessimino, détail, Pessimino, orientation. Il y a bien. Voilà. Réseaux sociaux ou bien numériques, ils ont raté Oyo, Kinara, Facebook, Instagram, TikTok, ou bien Ning Saluke, tout est Ning Saluke, tout mais Ning Sarape Moutou, Ning Sarape Bongo. Voilà, c'est très important. Quand tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux, il faut le cacao se cultiver. Quand le cacao est accrané, il faut le cacao se cultiver. Tant nous, ils sont précieux. Mais il faut que les gens ne soient pas les cacaos. Ngongandambu pona lusambo, ngongandambu pona musala, ngongandambu pona kolia, ngongandambu pona ko se divertir, mais ngongandambu pe pona ko tanga. Koko tsi loko na bongo, ekozala important mingi pona yo, pe lobby ekozala parent lobby. Voilà. C'était pour moi un honneur de vous présenter ce buzz matin. Je dis un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui m'a permis de se retrouver devant vos postes télévisés pour vous présenter ce buzz matin. Abonnez-vous massivement sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis bye bye, mais je dis un grand merci à Maya Maba pour cette édition. Zalara, Zalara, Boyoko, Salara, Mingi Kitoko. PMS, bon, madame, vous prenez un week-end pour préparer la semaine bien. Ah, tout bas, ça n'a pas de Babi, bon, madame, pour un week-end pour préparer la semaine bien. Pour les qui sont week-end, qui sont comme Maras. Azolo, pas pour l'excès, week-end, qui sont comme Maras. Malgré que vous avez gardé la bande. Vous avez gardé la bande, non, vous avez gardé la bande. Voilà. Merci à Maya Maba pour cette édition. Merci à Némi. Merci à mon chef, Jenny Soa Jeluzolo. Merci. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes.